Nous avons appris que la retraite allait bientôt sonner. Donc pour toutes ces années, en tant qu'artisan plombier dans la commune, nous te remercions sur ton fait. Moi, je rajouterai aussi que tu as aimé organiser et participer à pas mal de manifestations dans la commune en tant que bénévole et en tant qu'artisan. Donc ça, ça te mérite d'être souligné. Je tiens aussi à remercier quand même tous les anciens maires et présents et les absents et ceux qui sont malheureusement disparus. Parce que 37 ans pour travailler dans la commune, je trouve que c'est bien, ils m'ont tous suivi. Je les remercie entièrement. Ça m'a fait un grand plaisir de vous remettre le trophée de la ville du village de Sainte-Marie pour votre dévouement au niveau associatif et notamment au sein du tennis club de Sainte-Marie où voilà 30 ans où vous œuvrez. À chaque fois qu'on a besoin d'aide, on a des réponses positives avec l'État par exemple. Et vous en êtes présidente depuis 20 ans, donc que cela continue. Merci beaucoup. Et bien également aux bénévoles du club qui ont œuvré, ceux qui œuvrent actuellement, parce que je ne suis jamais toute seule, ils sont toujours présents avec moi. Je voudrais dire que, pour ceux qui ne connaissent pas le tennis club, il existe depuis l'année 1982. Il a été créé par l'ami Calaïque Les Chardons Bleus. La première personne qui a donné des cours, c'était en bénévole. En fait, il y en avait deux. C'était Madame Gaucher, qui est ici présente. Et puis... Et puis Pascal René. Merci à vous deux. Je voudrais juste dire que si vous m'avez annoncé être là depuis 20 ans, ça fait depuis pas mal d'années où je demande à être remplacée. Malheureusement, personne ne veut de la place. Mais je pense qu'il serait grand temps d'y penser, parce que même si j'ai beaucoup de satisfaction, ce qui est vrai, il y a aussi des soucis quelquefois. C'est pas toujours facile, mais les satisfactions sont surtout, il faut le savoir, c'est auprès des enfants, parce que je prends énormément de plaisir à venir les voir jouer, et en loisirs, et en compétition. Nous avons eu depuis 4 ans des jeunes qui sont toujours champions départementaux, et je tiens à les féliciter et à remercier les enseignants qui les ont fait avancer. Nadège, qui est notre factrice préférée. Raison, c'est unanime là. Alors voilà, le sourire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, voilà, les relations de proximité, c'est l'évidence d'un facteur et la chaleur humaine qu'elle dégage méritait bien ce trophée. Voilà. Il est unanimement approuvé, donc voilà, avec plaisir. Généralement, j'ai une grande boule, mais là, je ne sais plus quoi dire. Donc, je vous remercie tous, votre gentillesse. De m'offrir ce trophée. Voilà. Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. Votre cœur, vos compétences, votre temps, vous les mettez au service des Maritais à travers toutes les manifestations auxquelles vous participez. La fête de la musique, le 6 août, les lotos, les concours de belote, handisport et j'en oublie. Votre engagement dans le bénévolat au sein de la commune a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. Je suis pourtant heureuse et honorée de remettre à tous les deux ces trophées qui personnalisent l'attachement de Sainte-Marie à toutes ces traditions festives où le plaisir de vivre ensemble prend tout son sens. Merci. Merci beaucoup déjà, c'est ça tellement naturel, sans contrainte, donc on est encore là, en 2015, hein? Voilà. Je voudrais quand même remercier ceux qui nous ont choisis, merci à tous.